Sans problème. Alors, je vous présente tout de suite Louise Comtois, qui est formée en didactique des langues secondes de l'UQAM et de l'Université de Montréal. Elle a enseigné pendant plus de 20 ans auprès de clientèles variées en français, langue maternelle, et en français, langue seconde. Au CCDMD depuis 2009, elle a entre autres élaboré du matériel didactique pour le ministère des Communautés culturelles et de l'Immigration. On parlait de main ouverte, vous en êtes un bel exemple, un beau symbole, pour le cours de français mis à niveau, de même que deux tests de classement en langue seconde. Puis elle s'intéresse actuellement à la communication dans la relation d'aide par les pairs dans le cadre d'un projet, le projet Tutorat. Isabelle Dufour, avec qui je disais tantôt, on a eu l'occasion de travailler ensemble et de s'écrire des courriels, est chargée de projet responsable de l'Intercaf au CCDMD, auparavant conseillère pédagogique au Collège de Maisonneuve. Elle était associée au dossier de la réussite et à la formation générale. Elle enseignait le français et la littérature pendant 12 ans. Titulaire d'une maîtrise en littérature française et d'un baccalauréat en enseignement du français de l'Université Laval, elle s'est également intéressée, dans le cadre de ses études doctorales à l'Université d'Ottawa, au rapport à l'écrit des élèves des programmes techniques au collégial. Puis elle collabore actuellement au projet Tutorat. Mesdames, la parole est à vous. Alors, bonjour tout le monde. Merci Christian pour la présentation. J'ai besoin de beaucoup de dopamine pour prendre la parole après Christian. Donc, vous aurez compris que la barre est haute. En fait, Louise et moi, on est très contentes d'être ici ce matin. Louise, vous avez présenté, pour ceux qui y étaient l'année passée à l'Intercaf, elle vous avait présenté le cadre théorique du projet. Donc, nous, on a une année de boulot derrière la cravate, en fait. On a travaillé énormément. Et puis, notre objectif, c'était de partager avec vous aujourd'hui le fruit de ce travail-là, qui est le projet Tutorat. Donc, c'est une ressource pédagogique pour vous. Donc, pour se former à la relation d'aide par les pairs. On a décidé de placer tout de suite notre identité visuelle, hein, parce que le cerveau fonctionne aussi visuellement. Donc, ça, c'est un cadre théorique très épuré qu'on va vous présenter ce matin. Alors, bon, bien évidemment, on est dans une présentation un petit peu scolaire, là. On a choisi cette forme-là parce qu'on a beaucoup d'informations à vous donner. Alors, on va vous donner des informations générales sur cette ressource-là du CCDMD. On va vous parler de la genèse du projet, des étapes du projet et des contributions. C'est un projet du Cégep Saint-Laurent à l'origine, donc, et on a travaillé avec le Cégep Saint-Laurent. On va vous donner les objectifs de la ressource, on va vous présenter le contenu de cette ressource-là, donc comment vous pouvez utiliser ce matériel-là. Évidemment, le cœur de cette ressource-là, ce sont des capsules web, donc des capsules vidéo. On a 9 capsules. Vous allez avoir en grande première pouvoir visionner des extraits de 2 capsules. Et on va vous présenter aussi l'appareil pédagogique, donc, qui vient avec les capsules que vous allez pouvoir utiliser avec vos étudiants. Et puis, enfin, on termine avec le cadre conceptuel. On aurait pu commencer avec le cadre conceptuel, mais on l'a placé en dernier. Et tous les liens qu'on va faire, si vous voulez, avec le cadre conceptuel lié à la relation d'aide. Alors, ma collègue Louise va vous présenter un petit peu, parce que c'était la chargée de projet responsable du projet, donc la genèse, les étapes et les contributions. Tu parlais de dopamine, moi je dirais humilité, pour passer après Christian qui a fait avec tant de fluidité et de passion. Alors voilà. La genèse d'un tel projet montre sa complexité. Alors, je vais essayer de vous résumer cette genèse en 3 phases. La première phase, je dirais que c'est celle de l'élaboration de tous les contenus. Et elle a été faite par Chantal Saint-Jard, l'auteur et l'idéatrice de ce projet, qui malheureusement n'est pas ici aujourd'hui. Chantal Saint-Jard est du Cégep Saint-Laurent, donc le Cégep Saint-Laurent est le Cégep contributeur aussi, qui a soutenu une partie des dégrèvements pour la réalisation de cette première étape du projet. Donc, cette première étape a duré 1 an et demi. À la suite de cette année et demie, nous avons déposé les contenus auprès d'une réviseur scientifique qui nous a fait une évaluation et qui nous a permis de réorienter tous les contenus
vers un cadre théorique qui nous permettrait d'unifier les directions pédagogiques de nos contenus. Donc, cette première phase, la deuxième phase commence par cette réorientation. Donc, je dirais que toute la deuxième phase a été une phase d'analyse, de réorganisation de l'ensemble de ce matériel-là pour que ça fasse un tout et pour qu'on ait des objectifs pédagogiques vraiment unifiés. Donc, dans un premier temps, nous avons retenu en la personne de Marie-Christine Dansette qui est ici aujourd'hui, on lui a demandé de faire une synthèse de tous les textes théoriques qui avaient été écrits par Chantal Saint-Jarre et aussi par la synthèse de textes théoriques qui proviennent des auteurs qui parlent de la communication dans la relation d'aide. De cette synthèse, qui est un boulot énorme, de cette synthèse, nous avons extrait l'essentiel qui nous a mené au cadre théorique qui nous a permis de faire une matrice d'analyse. Tout ça a l'air très compliqué, mais si on veut produire un matériel didactique qui se tient, qui va quelque part, pour lesquels on retient des choix qui seront des choix pensés, qui seront des choix qui nous mèneront à des objectifs et des acquisitions claires, il fallait passer par cette étape-là. Donc, à partir de la synthèse, l'élaboration d'une matrice d'analyse, et à partir de cette matrice, nous avons revu tous les scénarios et toutes les fiches d'observation qui avaient été produites. Nous avons décidé à cette étape-là de ne retenir que les aspects de la communication dans la relation d'aide. Il y avait toutes sortes d'autres choses dans nos capsules. Il y avait des éléments qui touchaient la transmission des connaissances. Il y avait des éléments qui touchaient les règles des centres d'aide. Donc, on a décidé de vraiment centrer l'attention sur tous les aspects de la communication et qui assurent la réussite de cette communication-là entre un tuteur et un aidé. Alors, à cette étape, cette deuxième phase, plusieurs personnes ont contribué. Bon, la première étant Hélène Boulay qui a assuré la révision scientifique des premiers contenus. Ensuite, Marie-Christine Dansette qui est cofondatrice. Je vous donne son titre, si vous voulez. Elle est cofondatrice du Centre d'aide du Collège Antique. Donc, elle connaissait très bien l'environnement d'un centre d'aide, les besoins, les difficultés de former des tuteurs et tout ça. Ensuite, nous avons consulté à cette étape-ci une orthopédagogue pour voir jusqu'à quel point nos scénarios reflétaient cette relation-là qui existe entre un tuteur et un aidé. Donc, Effie Constantinopoulos nous a beaucoup aidé à peaufiner nos scénarios, enfin, à ajouter des éléments qui rendent compte des véritables, de la réalité de ces élèves qui sont en tutorat. Et finalement, tout ça nous a amené à la présentation l'année dernière du cadre théorique à l'Intercaf, il y a un an. Depuis, troisième phase, la phase de pré-production, production et post-production. Donc, dans ces phases-là, nous avons cherché les personnes qui pouvaient nous aider à mettre au monde les 9 capsules vidéo. Donc, nous sommes retournés au Cégep Saint-Laurent. Nous avons rencontré la directrice du département de théâtre, d'art dramatique, pardon. Alors, grâce à Michèle Barrette, elle nous a mis en contact avec ses professeurs, Pascal Bello et Maya Gobeil, qui ont accepté une très lourde responsabilité, finalement, de faire la distribution, donc de nous trouver 18 élèves comédiens, d'assurer les répétitions, de faire en sorte de guider l'interprétation des élèves. Donc, nous avons aussi trouvé notre réalisateur, donc l'équipe de réalisation Les Anges Cornus. Ensuite, après toutes ces étapes-là, je passe très vite, mais c'est très lourd, c'est très compliqué, ça prend du temps, mais
on a eu un résultat absolument excellent. À la suite de ça, on part d'un scénario qui est écrit, on a une idée dans la tête, puis tout à coup, là, on voit des vraies personnes, des vrais élèves, des vrais tuteurs, on les voit devant nous, puis on regarde nos fiches, puis on dit, ah oui, non, là, il va falloir qu'on pose la question autrement. Ah oui, regarde, il se passe quelque chose ici, entre lui et elle, il faut qu'on... Donc, on a revu toutes nos fiches à cette étape-là pour essayer d'arrimer les images qu'on avait, les vrais scénarios maintenant, avec les contenus pédagogiques. Et une fois que tout ça a été fait, on est passé à la dernière étape, c'est-à-dire celle de la validation des contenus. Donc, validation pédagogique, et je pense que je ne parlais pas du tout dans le micro. Toutes mes excuses. Donc, validation pédagogique qui a été assurée par Mélanie Dutemple et ses tuteurs en formation. Elle est ici, merci Mélanie. Validation scientifique, plusieurs validations scientifiques parce que il y avait validation pour les aspects de troubles d'apprentissage, il y avait une validation concernant la communication interculturelle et finalement validation du dernier cadre théorique et test utilisateur. On s'est trouvé trois élèves qui ont accepté sans aide, de faire toute la démarche proposée et ensuite de répondre à un questionnaire critique, justement un peu comme le disait Christian tout à l'heure, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui est incohérent. Et chaque étape de validation nous a permis de peaufiner, vraiment d'améliorer, de rendre ce matériel. Aujourd'hui, nous vous le présentons et nous en sommes très, très fière. Alors, la dernière étape, la phase 4, c'est celle qui est devant nous, c'est celle de la programmation du site. Donc, ça va se faire dans les mois qui viennent. Je vous remercie. Non, c'est pas fini. Ah, je vous remercie de m'avoir écouté. Maintenant, Isabelle va vous parler du contenu des fiches. Donc, l'objectif pédagogique que le matériel présente ici, c'est évidemment c'est d'amener les élèves tuteurs en formation à reconnaître les savoirs essentiels à une bonne communication dans la relation d'aide. Évidemment, ces savoirs-là vont pouvoir être appliqués, si on reprend la taxonomie de Bloom, donc en situation réelle avec les élèves. Mais notre matériel, là, pour parler un petit peu le langage de la pédagogie, là, au niveau taxonomique, c'est de l'analyse, de la compréhension, donc reconnaître des savoirs, puis en bout de piste, donc les appliquer là, en situation authentique avec les aidés. Donc, le contenu de notre ressource, donc 9 capsules vidéo, qui mettent en scène des situations en relation d'aide par les pairs. Ces vidéos-là permettent d'observer les manifestations des savoirs qui sont à développer et d'observer aussi des contre-exemples. Donc, ce qui ne va pas. Évidemment, on n'avait pas le souci d'exhaustivité. Alors, on ne veut pas rendre compte de toutes les situations possibles que les élèves, tuteurs peuvent rencontrer. Ce qui nous sert, c'est les savoir-être qu'on veut faire observer, donc, pour la communication. Chacune des vidéos, donc, chaque capsule, donc, est accompagnée d'une fiche d'observation. Donc, la fiche d'observation, c'est vraiment le travail pédagogique qui est à faire. Donc, c'est essentiellement des activités de discussion, des activités d'analyse et des activités d'anticipation. Et puis, notre mosaïque des savoirs, donc les contenus plus théoriques, qui ne sont pas des savoirs à enseigner tels quels ou à apprendre, là, si je peux employer cette expression-là. C'est vraiment un support, donc, où les savoirs sont là. Et à chaque fois qu'il y a des liens à faire dans les fiches d'observation, donc vous pouvez vous référer aux savoirs. De toute façon, tout à l'heure, on va vous présenter des morceaux du matériel pédagogique. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça s'articule. Ce qu'il faut savoir, c'est que
Ce matériel-là est fait pour être utilisé en grand groupe, donc vous pourrez le travailler comme ça, mais c'est aussi fait pour une utilisation autonome. Nos tests de validation, donc il y a eu un test en grand groupe avec les tuteurs en formation de Mélanie, mais nos testeuses l'ont utilisé là, de façon autonome, sans consigne, elles ont travaillé de cette façon-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a 9 capsules et on est tout à fait consciente que vous n'avez pas toujours le temps imparti dans la session. Par exemple, quelqu'un pourrait décider de visionner une ou l'autre des capsules. À chaque fois qu'on a un travail pédagogique à faire, les objectifs qui sont poursuivis sont très bien indiqués. Donc, vous pouvez faire des choix des capsules que vous voudrez travailler avec vos élèves. Évidemment, chaque capsule, chaque fiche, tout ça est construit là, selon une séquence, mais vous pouvez choisir dans le matériel et faire vous-même votre propre, comment dire, votre propre programme ou votre propre séquence pédagogique. Donc, je vais céder la parole à Louise qui va vous présenter les capsules, en fait, un petit peu le contenu des capsules. Qu'est-ce qu'on a cherché à mettre en scène? Bon. Alors, 9 capsules, dont 3 contiennent 2 scènes. Donc, ça nous fait presque 12 capsules, finalement. Chaque scène comporte des protagonistes différents. Donc, ça explique aussi pourquoi on a 18 comédiens. Alors, on a travaillé à partir de thèmes, mais à l'intérieur de ces thèmes-là, on vise la communication et il peut se passer toutes sortes d'éléments constitutifs de la communication qui aident ou qui entravent la communication. C'est notre point d'intérêt dans ce matériel-là. Donc, pour essayer de regrouper et ne pas vous nommer toutes les capsules à la suite, vous pourrez le consulter dans le PowerPoint qui sera sur le site de l'Intercaf. OK. Donc, première et neuvième, la première et la dernière rencontre, avec ce que ça sous-entend aussi de difficulté ou de facilité, de détachement, etc. Donc, ce sont des aspects qui ont été abordés spécialement dans ces deux-là. Oui, OK. Je vous montre tout de suite ça. Voici la signature graphique, l'image graphique de la ressource tutorat. Se former à la relation d'aide par les pairs. Donc, vous voyez ici le logo de la ressource qui représente nos 3 éléments constitutifs du cadre conceptuel de la mosaïque des savoirs sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure pour vous la présenter plus spécialement. Donc, voici la page d'arrivée. Puis on a l'émergence ici de cette mosaïque des savoirs. Bon, visuellement, ça représente un peu le concept qu'on avait dans la tête et qu'on essaie de visualiser et de rendre dans des capsules, dans des fiches d'observation et dans un cadre conceptuel qui sera interactif sur le site. Très bien. Capsule 1 et 9, Geneviève, Achille et Geneviève. Donc, on les retrouve dans la première et dans la neuvième capsule. Poursuivons, la 2 et la 8 touchent principalement des difficultés et même des bris de communication entre un tuteur et un élève pour différentes raisons, mais ici on voit Francis et Amina et ici on a vraiment un bris de communication en raison de valeurs culturelles différentes et d'incompréhension totale entre l'un et l'autre. Dans d'autres capsules, on montre un peu plus des difficultés que les tuteurs pourraient avoir. Alors ici, on a une tutrice, Daphné, qui manque complètement son coup avec son aidée, Urlède, qui est en colère et s'en va, et met fin brusquement à la rencontre. Donc, Daphné et Urlède. Ici, dans le, je pense que c'est le scénario 7. Enfin, nous avons ici la colère d'une aidée qui est insatisfaite de la correction que son prof a fait de son texte. Donc, en gros, ce sont des exemples de thèmes qui ont été exploités pour illustrer les difficultés, les bons coups et les moins bons coups qu'on fait
quand on communique et quand on est en relation d'aide par les pairs. Oui. Donc, je suis certaine que je vous ai mis un peu l'eau à la bouche. Alors, on va en écouter une. On va écouter, on conserve la métaphore du hockey ici, là. Hein? Tir au but dévié, qui est le titre de cette scène-là, où on verra une tutrice avec un élève ayant des troubles d'apprentissage. On verra comment cette tutrice essaie d'entrer en relation avec cet élève. Avant de l'écouter, j'aimerais ça que vous lisiez cette question. Normalement, elle devrait apparaître, mais je vais vous la lire. Et je vais vous demander si vous pouvez répondre. Tout à l'heure, là, vous essaierez de répondre à cette question-là. Donc, vous écoutez la vidéo en gardant à l'esprit la question de la fiche d'observation auquel les élèves devront répondre. Avant de mettre Alex est l'élève aidé. Avant de mettre Alex dans cette situation de lecture, qu'aurait pu faire Marie-Philippe pour atténuer le caractère embarrassant de faire lire à haute voix un élève dyslexique? Éventuellement, vous verrez la capsule. Ça s'en vient? Oui? Je veux entendre aussi que tu es dyslexique. Ah oui, tu sais lire. Bon, on va commencer par regarder la rédaction que tu as écrite pour ton entrée au centre d'aide. Puis à partir de ça, on va pouvoir prioriser les points à travailler en priorité. Ça va? Ah oui. Juste avant de commencer, je vais te demander de me lire le début de ce texte-là. Qu'est-ce que ça va te donner? Ben, je vais pouvoir voir c'est quoi ta difficulté en lecture. La pervérance et la discipline sont essentielles quand on veut se sceller dans un port. La persévérance et la discipline sont essentielles quand on veut exceller dans un sport. C'est pas ça que je viens de lire. Je vois à quel point c'est difficile pour toi de lire. T'as tout compris. Bon, ben on va commencer, hein. Moi, je vais lire ta rédaction en voix haute, puis on va pouvoir déterminer les points à travailler. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, je suis sûr que t'es bien fine puis bien bonne, mais je vais pas te décourager tout de suite, mais t'es à peu près la 10e personne qui s'est essayée sur mon cas. Puis? Y a rien qui a marché. Je suis dyslexique et dysorthographique. J'ai un déficit d'attention avec hyperactivité. C'est ça mon cas. Ça fait que... attache ta tuque. Puis tu dis que t'as reçu beaucoup d'aide dans le passé? Oui, madame. Puis qu'est-ce que t'attends du centre d'aide, là, ou... de moi comme tutrice? Moi, j'attends rien. C'est le prof de français qui m'a obligé à m'inscrire. Le truc que tu vas me proposer, j'y connais déjà tout, puis je vais te le dire tout de suite, y a pas grand-chose qui marche avec moi. Ça fait que si c'était juste de toi, tu serais pas ici. T'as tout compris? Qu'est-ce que tu fais au cégep? Pour faire plaisir à mes parents, je fais le programme de sciences humaines avec pas de masse. OK. Comment ça se passe? Pas bien. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense rien, là. Je veux juste essayer de te connaître un peu. Pourquoi? T'as vraiment décidé que je t'aiderais pas, hein? Je vais te poser une dernière question. Qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? D'envie, genre, d'envie? Oui, oui, tu m'as bien compris. Ouais, j'aimerais ça créer des jeux vidéo. Pas vrai? C'est drôle, c'est justement ce que mon frère fait. Tu me niaises. Non, non, là, il a participé à la dernière création du jeu... Éclair de feu. Ah ouais? Il est vraiment hot, ce jeu-là. Puis, ton frère, est-ce qu'il a fait son cégep? Ouais. Ça n'a pas été facile, mais je pense que s'il l'avait pas fini... il ferait pas ce qu'il fait aujourd'hui. Bon. J'imagine que ça va juste être un autre rêve que je vais abandonner. Ouais, c'est pas grave.
Je vais devenir un excellent joueur d'éclair de feu. J'imagine que t'as plein d'idées pour des nouveaux jeux dans ta tête. Ça t'intéresse vraiment? Oui, monsieur. T'as tout compris. OK, ben, ouais, j'ai plein d'idées. L'été passé, j'ai même essayé de présenter mon idée de jeu à une compagnie de Montréal qui en produit. Mm-hmm. Ils organisaient un concours pour les jeunes. Mais quoi? Mais j'ai jamais réussi à écrire une lettre de présentation qui avait du bon sens. J'ai écrit de quoi, mais si je leur avais envoyé ça, je pense qu'ils m'auraient pris pour un débile. C'est dommage. Il y a des milliers de joueurs qui connaîtront jamais les super jeux qu'il y a dans ta tête. Tu m'aiderais-tu à écrire ma présentation de jeu? Ça va me faire plaisir. OK, wow. Tu m'aiderais-tu à t'aider? OK, ben, pour commencer, je fatigue vite. Vraiment vite. T'as vu comment je lis lentement? Ben, c'est ça, c'est super fatigant pour moi de lire parce que je passe le plus gros de mon temps à essayer de deviner les sons que ça fait, les lettres ensemble. Puis après ça, ben, faut que j'essaye de comprendre ce que j'ai lu. OK, puis qu'est-ce qui t'aide par rapport à ça? C'est sûr qu'après 20 minutes de travail sur une chose, je suis trop fatigué. Je peux plus me concentrer, j'ai besoin d'une pause. OK. T'amèneras ta DS à la prochaine rencontre, puis on se fera une petite partie pour relaxer. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire pour atténuer le caractère embarrassant de faire lire un élève dyslexique? Quelqu'un peut-il me dire quelque chose là-dessus? Ouais, hein, on a une tutrice ici qui a eu le tour de retomber sur ses pieds. Mais bon, oui, OK. Ah, oui, oui, OK. Bon. C'était une des questions dans la fiche d'observation et qui permettent aux tuteurs en formation de réfléchir à la communication, aux questions qu'ils posent, aux conséquences des questions. Donc, on a vu ici, dans cette capsule, une tutrice qui fait des bons coups, mais qui en fait des moins bons, et qui met son élève dans une situation embarrassante, etc. Bon, je pense que on discutera pas de tout ça maintenant, mais je voulais tout simplement vous montrer par cette question que on plonge au cœur des difficultés et des éléments essentiels de la communication. Je pense qu'il faut qu'on a encore beaucoup, beaucoup d'autres choses à vous montrer, donc on va accélérer. Puis tout à l'heure, vous aurez une autre question. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai, on a une deuxième extrait. Question. Donc, les fiches d'observation. Donc, la FO, alors ça, c'est le travail pédagogique qui est à faire à partir des capsules. Alors, vous visionnez la capsule avec vos élèves en classe et vous travaillez avec ces fiches-là. 5 sections dans les fiches. On a toujours identifié les objectifs qu'on poursuivait, donc pour chacune des fiches. Donc, pour vous, comme pédagogue, c'est intéressant parce que vous pourrez identifier donc les éléments qui vous semblent les plus importants, que vous voudrez travailler en priorité. On a une section qui est celle de l'observation et des impressions générales sur la capsule. Je vais les détailler un petit peu tout à l'heure aussi là, pour que vous soyez à même de bien voir la chose. On a une section qui s'appelle « Au cœur de la relation ». Donc, la question que Louise vous a posée tout à l'heure sur la situation embarrassante de faire lire un élève dyslexique, donc ça fait partie des questions qu'on a dans la section « Au cœur de la relation ». On a une section qui s'appelle « Retour sur soi » et une section « Pour aller plus loin ». Donc, observation et impression générale, ça c'est un exemple de questions que vous avez. Là, on ne les lira pas ici parce que le temps file. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on voulait à la base placer des échanges en grands groupes tout de suite après la projection de la vidéo. Bon, évidemment, c'est l'idée de faire échanger les gens. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. On a des questions de type brise-glace. Dans un langage assez simple, qu'est-ce qui provoque la colère dans une des capsules où il y a une situation de colère? La colère est-elle justifiée? Qu'est-ce que vous pensez de la réaction? Comment réagir? Etc., etc. Là, on y va un petit peu à froid. On active les connaissances antérieures et on permet aux élèves d'échanger.
L'idée, c'est peut-être qu'ils auront un petit choc cognitif après, au moment du travail, parce que leurs premières réponses seront peut-être un petit peu tâtonnantes, mais c'est ce qu'on souhaite. Donc, voilà pour la section observation. On entre dans la relation d'aide. Là, on a des questions d'analyse et de compréhension. Ce sont des questions à développement. Il y a 10 questions par fiche et ça prend en moyenne 1 heure pour faire le travail. Donc, et voici en fait comment un peu c'est pensé. On reprend parfois une réplique qui a été prononcée par les comédiens. Il y aura la possibilité de revoir la réplique parce que tout ça va être hébergé sur un site. Donc, pour vos élèves, ils vont pouvoir manipuler la chose, revoir cette réplique-là. Et on pose la question. Évidemment, notre corrigé, on a souhaité un corrigé qui faisait le lien avec le cadre conceptuel. Là, vous ne voyez pas très, très bien. L'objectif, ce n'est pas que vous lisiez ça ici, c'est pour vous montrer la chose. Chacune des réponses possibles, parce qu'on dit que ce sont des réponses possibles, renvoie à un savoir qui est dans le cadre conceptuel. Et il est aussi indiqué de couleur, parce qu'on a 3 savoirs donc, en communication et les couleurs donc, sont des éléments de référence. Alors, on essaie là, que vous puissiez, quand vous travaillez avec vos élèves, là, vous y retrouver facilement. On a une section qui s'intitule « Retour sur soi ». Alors ça, c'est la section, si je peux dire, d'autorégulation. Donc l'élève, là, il a cheminé un peu à travers le travail au cœur de la relation. Il a répondu à plusieurs questions à développement. Et là, il se met en situation où lui, il est un tuteur et il réfléchit à ce qu'il sait, ce qu'il a appris, ce qui lui reste à apprendre. Donc c'est vraiment un travail réflexif ici à partir de questions toujours. Enfin, pour chacune des capsules aussi, on propose dans une fiche une section qui s'intitule « Pour aller plus loin ». Alors, pour aller plus loin, vous avez des questions de discussion et d'anticipation. Vous pourrez les utiliser aussi en grand groupe. Il y a des questions qui s'y prêtent, donc vous pourrez moduler un petit peu la chose. Il y a un lien également avec le Vox Pop, ceux qui étaient à l'Intercaf l'année passée. Donc, on vous avait présenté un Vox Pop avec une parole de tuteur. On avait interrogé les tuteurs, on leur avait demandé « qu'est-ce qu'un bon tuteur? » Ils nous avaient répondu spontanément, on était rentrés dans des CAF comme ça. Et on a été extrêmement ravis, Louise et moi, pendant nos dédales théoriques. Nous, on lisait notre cadre conceptuel, puis là, on voyait les savoirs et tout ça, puis on était dans le grand langage. On écoutait nos tuteurs, puis là, ils venaient nous donner une validation. Ils nous disaient la même chose, en fait, mais une parole authentique, spontanée. Donc, eux, les tuteurs, avaient déjà intériorisé ou déjà une idée implicite de qu'est-ce qu'un bon tuteur. Et on était très, très ravis de voir que cet appareil théorique-là, bien, finalement, il était assez proche des savoirs implicites que les tuteurs se reconnaissent. Donc, ça a été une validation. Donc, vous pourrez toujours cliquer pour amener vos tuteurs en formation à voir la binette d'autres tuteurs donc, qui ont été interrogés pour le Vox Pop à l'Intercaf 2013. Et enfin aussi, on a toujours une section où on renvoie à des concepts et des définitions qui sont travaillés dans la fiche. Donc, ici, vous avez difficulté d'apprentissage, attribution causale, autorégulation, transfert des connaissances. Donc, si jamais vous avez envie de jouer un petit peu là-dedans, ou si vous avez le temps aussi, vous savez que dans cette capsule-là, dans cette fiche-là, il y a aussi d'autres concepts qui peuvent être travaillés. Et tous ces concepts-là sont disponibles aussi dans une liste, aussi bête que ça. Donc, les concepts, leur définition, le scénario ou la scène qui est touchée, et puis une petite phrase qui vous parle de ce qui se passe vraiment dans la scène. Donc, et évidemment, ça, ce n'est pas à travailler tout seul. Ce n'est pas une liste à faire à apprendre ou à présenter, sauf que vous pouvez l'utiliser aussi là, comme complément donc, dans la fiche d'observation. Alors, les fiches d'observation donc, se présentent selon une gradation. Alors, je viens de vous montrer un petit peu tous les morceaux de l'observation et d'abord le visionnement, l'observation et la discussion générale en grand groupe. Ensuite, on va au travail plus individuel d'analyse de contenu. Et enfin, on termine par une autoréflexion là, sur les savoirs qui sont en développement. Et puis, la phase ultime,
la phase cruciale, bien, c'est ce qui se passe vraiment dans le CAF entre un tuteur et un aidé, donc la relation d'aide comme telle. Alors, on va visionner une capsule qui s'appelle « Point de fuite » et on vient de passer la question, puis je pense qu'on va en faire l'économie finalement. En fait, vitement là, un tuteur fait la réplique suivante à une de ses élèves qui a aimé un livre. Il lui dit « J'espère que ça va te donner envie de lire d'autres livres ». C'est une réplique positive, mais ça pourrait être interprété négativement. Alors, vous allez voir la capsule, puis si le cœur vous en dit, on pourra en reparler un petit peu. Salut Francis! Salut, ça va? Super bien! On vient juste de finir d'étudier un roman que j'ai adoré. C'était super bon. Ça m'a tenu en haleine du début à la fin. 255 pages. Faut le faire. C'est la première fois que j'aime un livre comme ça. Wow! J'ai jamais vu Antillesse de Maître. Mm-hmm. C'est quel roman? Un roman de Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours. J'ai même hâte de faire l'analyse qu'il faut que je remette dans 2 semaines. Toi, l'as-tu lu? Oui, j'ai lu il y a 2 ou 3 ans. Mm. Qu'est-ce que t'as tellement aimé dans ce livre-là? Ça m'a donné le goût de voyager, de faire le tour du monde. Puis je suis restée captivée comme quand que je regarde un bon film d'action. Toi, l'as-tu aimé? Pas pire. Ah. En tout cas, moi, j'ai vraiment capoté. Moi, je t'avoue, je me suis un peu tannée, rendue à moitié. Ah. Moi, j'étais captivée tout le long. Même que j'aurais le goût de le relire. En tout cas, j'espère que ça va donner envie de lire d'autres livres. Ouais. En y repensant, je pense que je vais avoir de la misère à faire l'analyse qu'il faut que je remette à mon prof dans 2 semaines. Fais-toi-en pas. On va pouvoir regarder ça ensemble. Même si t'as pas aimé le livre. Ben voyons, Christelle. Tu sais bien que je suis là pour ça. Mais si on revenait à nos moutons, ouais. On était censé travailler ta bête noire. L'écriture des phrases complexes. Tu te souviens? Ouais, on avait dit ça la semaine passée. Mais viens, on va faire un exercice ensemble à l'ordinateur. Un exercice qui ouvre le chemin pour le travail que t'auras à faire à la maison. C'est-à-dire? Ben, comme t'as aimé ce livre-là, tu pourrais faire un paragraphe de 200 mots sur le tour du monde en 80 jours. Tantôt, je te donnerai des consignes claires. Mais commençons par un petit exercice sur les phrases complexes. Si on l'avait lu dans le scénario, cette réplique-là, on aurait dit, c'est encourageant. Est-ce que vous êtes d'accord que ça l'est? Finalement, quand on regarde le scénario. Ouais. Ah oui. C'est ça. Oui. Vous avez entendu la phrase est positive, mais là, ça nous amène sur le terrain du non-verbal. Là, on va toucher à notre cadre conceptuel parce qu'on oui. On s'y attaque un petit peu au non-verbal. Oui. Bon, oui. Ben oui. Couper les ailes. Hein? Oui. Rogner quelqu'un. Ah, oh, vraiment, oui. On. Oui. C'est ça. Alors, vous allez retrouver dans les fiches d'observation des questions qui mettent les élèves en tuteur, les tuteurs en formation, devant cette réflexion-là qu'on leur demande de faire, la portée d'un commentaire, comment travailler avec les ressources de l'élève, etc. Donc, maintenant, on revient à la mosaïque des savoirs. La mosaïque des savoirs, elle sort du cadre conceptuel. Quand on a demandé à Marie-Christine de faire la synthèse de tous les textes théoriques, il en est émergé 3 lignes, 3 aspects fondamentaux, 2 valeurs. La valeur d'authenticité qui concerne le tuteur, c'est-à-dire le tuteur face à lui-même. La valeur de respect qui concerne le tuteur face à l'élève. Et
dans tous les cas, dans toute relation d'aide, les savoir-faire en communication essentiels pour établir, maintenir une bonne communication. Donc, la valeur d'authenticité dans le site qui n'est pas fait encore, qui n'est pas encore programmé. Vous avez vu tout à l'heure là, nos trois grands rectangles. Donc, quand on clique sur « authenticité », on verra une définition. Mais cette valeur d'authenticité se décline en savoir-être. Et ces savoir-être-là se manifestent en savoir-être concernant la connaissance de soi, concernant l'ouverture à l'expérience, et ils s'expriment en savoir-faire, en communication, dans le fond, par l'expression de soi. Donc, la valeur d'authenticité est en lien avec la capacité et l'authenticité de s'exprimer, de révéler qui on est. La valeur de respect. Oui, je vais lui montrer les contre-exemples pour le respect. OK? Je veux juste aller plus vite, là. Donc, pour cette deuxième valeur, le respect, c'est-à-dire le lien avec le respect envers l'élève aidé, définition, les savoir-être liés au respect se manifestent par l'ouverture d'esprit. Et vous voyez à l'intérieur de ça, on a des savoir-être très définis qu'on peut retrouver dans les divers comportements qu'on voit dans les capsules. Donc, on voulait donner un outil qui serait comme un outil de référence pour les élèves. On ne veut pas que ce cadre-là soit appris. Il n'est pas donné comme élément à absorber. Il y a plein de ces composantes qu'on connaît, qu'on reconnaît, qu'on vit, qui sont dans nous, qu'on utilise tous les jours. Mais on les a organisées de telle sorte que les savoir-être viennent aussi avec des contre-exemples. Les contre-exemples, on les connaît encore plus. Parce qu'on dirait qu'on est plus là-dedans hein, et on tend vers ça, c'est sûr, ici, c'est l'idéal. Donc, par exemple, en 4, le contre-exemple, ignorer ou ne pas tenir compte des savoirs ou des ressources personnelles de l'aidé, c'est ce que Francis vient de faire avec Christelle. Il a refusé, il n'a pas reconnu qu'elle avait, elle lui présentait des possibilités. Là. Okay? Donc, ces contre-exemples-là, font partie aussi de ce qu'il y a dans les scénarios. On n'a pas voulu montrer de situation idéale où personne ne se reconnaîtrait. On a voulu montrer des gens, des élèves et des tuteurs qui ont des comportements qui font de bons coups et de moins bons coups. Alors, ça nous permet une réflexion qui est plus réaliste, je dirais, sur les rapports humains. Et finalement, le troisième point, les savoir-faire en communication, concerne la reformulation, le miroir, la réitération, les manières de dire et la présence physique. Parce qu'on parlait beaucoup, partout, dans toutes nos lectures, on voyait que le non-dit, le non-verbal, les attitudes physiques transmettaient probablement plus que les mots. Certains éléments de la communication. Donc, vous voyez ici, par exemple, Francis et Antoine sont en retrait. Le tuteur est en retrait face à son élève. Et si on revient à communication, bon, présence physique, adopter ou maintenir une gestuelle ouverte. Bon, ça va bien. Si on va voir les contre-exemples, maintenir une posture ou une gestuelle inappropriée ou intimidante, tiens, c'est celui-là, adopter une posture de retrait ou d'éloignement. Bon, alors, ces savoir-être et savoir-faire deviennent, si vous voulez, une référence pour réfléchir à son propre, aux forces et aux points à améliorer comme tuteur dans son comportement et ses relations avec les autres.
La bibliographie qui est passée très rapidement. Avez-vous... Donc, ce sont les documents que nous avons consultés pour établir le cadre théorique et la matrice et la mosaïque des savoirs. Donc, il y en a d'autres, mais sur le site, vous aurez une bibliographie complète de tous les textes qui ont été consultés. Là, on a mis une bibliographie partielle. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Les commentaires qu'on a reçus, ça a été de la part de nos 3 tests utilisateurs. Et bien sûr, nous avons reçu des commentaires des 4 personnes qui ont assuré la validation scientifique et pédagogique. Dans la validation pédagogique, Mélanie, qui l'a fait avec ses élèves tuteurs en formation. Alors, on a eu droit à plein de commentaires, mais Mélanie pourra en parler un peu plus, probablement. En fait, c'est rare qu'on s'attardait à cette partie communication de notre cours, qui est un cours de communication. Hein, donc, c'est ce qui a été apprécié, parce qu'on parle souvent beaucoup de langue là, quand on parle avec oui. nos tuteurs. Et les étudiants aimaient les mises en situation, aimaient beaucoup. Il y a certaines vidéos qui portent sur les troubles d'apprentissage. Ça les a beaucoup interpellés. Il y a beaucoup aussi les troubles de communication avec... les gens qui provenaient là, de divers milieux culturels, les étudiants ont beaucoup, beaucoup apprécié. Il y a des moments où est-ce que, en regardant d'autres étudiants de leur âge, ça provoque des rigolades, évidemment, puis c'est très correct aussi. C'était vraiment intéressant et les discussions en grand groupe aussi ont été très intéressantes côté pédagogique et tout ça, parce que pour eux, c'est évidemment un premier pas dans la pédagogie hein, quand ils sont au centre d'aide, donc ça nous permettait de discuter de tout ça. Ça a été très bien reçu. Oui, il y a un micro au centre. Hein? Si vous voulez utiliser, s'il vous plaît, peut-être le microphone, simplement pour des fins de captation également, s'il vous plaît. Donc ça va être disponible sur le site du CCDMD, oui. si je comprends bien, et à oui. partir de quand? C'est ça ma question, je trouve ça super intéressant. Phase 4. Oui, phase 4. Phase 4, programmation du site. Donc, je n'ai pas... aucun pouvoir d'accélérer ou de... Donc, je vous dirais qu'on espère le plus tôt possible, OK? Sachant que l'été, on travaille moins parce qu'on est beaucoup plus en vacances. Alors, peut-être que ce ne sera pas prêt pour la rentrée en septembre, mais peut-être que pas longtemps après la rentrée, ça va être prêt. Nous, on espère. Donc, évidemment, dès que ça va être prêt, vous serez les premiers avertis. Hein? On va claironner dans correspondance, puis on va claironner autrement, c'est certain. Merci. Je vais dire le même après, je vais remercier les gens qui ont été. OK. J'ai passé très, très vite sur la genèse du projet. Et je veux revenir sur le fait qu'il y a beaucoup de contributeurs pour atteindre pour réaliser ce type de ressources pédagogiques. Donc, je voudrais vraiment prendre le temps de remercier les contributeurs du Cégep Saint-Laurent. Ils ont été nombreux, mais nous avons tourné au centre d'aide du Cégep Saint-Laurent pendant la semaine de relâche. Tous les gens de la bibliothèque nous ont accueillis, nous ont aménagé ils nous ont facilité le travail. Les 18 comédiens qui proviennent du cégep, les professeurs qui se sont chargés de l'interprétation, le temps de répétition, vous n'avez pas idée à quel point tout ça, c'est beaucoup de générosité. Donc, un immense merci au Cégep Saint-Laurent pour cette énorme contribution. Une dernière petite chose, il y a 3 auteurs dans ce projet. La première auteure et idéatrice, Chantal Saint-Jard.
Deuxième auteur qui a assuré la synthèse, Marie-Christine Dansette. La troisième, j'ai glissé par-dessus tout à l'heure, mais je vous le dis, nous avons engagé une auteure dramatique pour que les dialogues soient si naturels. Alors, elle a fait un travail énorme, elle s'appelle Emmanuel Jiménez. Alors, tous ces gens-là ont contribué à la réussite du projet. Merci. Merci.